gardien fidèle. Bouclier, le attention, à ta gauche. Mais mes merveilles adorent la nécessité. Donnez tout, les gars. Ça, c'est pour toi. Reviens, j'ai besoin de toi. Allez, grimpe. Je l'ai, par ici. Regardez ce que j'ai trouvé. Je te tiens. Ah.
garde! Pour mon honneur! On en a fini avec les merveilles. Bah, je pensais avoir à sortir un canon pour le protéger. La justice est à portée de main. Alors, venez avec moi. Ce sera pas facile. Bahavas a toujours sa garde personnelle. Par là-bas, on pourra l'atteindre. Je devais venir ici en personne pour abréger tes souffrances, Utide. Et les miennes. Les étrangers nous ont menés ici. Maintenant qu'ils sont morts, leur prix est bien plus raisonnable. Mais assez discuté. Il est temps de passer aux armes. Ôtez-les de la vue du soleil. Ensuite, scalpez la sauvage. Hélice veut que son sang rougisse la fosse, sinon serait devant nous. Les soleils se trouvent dans sa misérable vie. Pour la justice, s'il en reste! Un combat juste pour ce cerveau. De l'ombre les plonge dans une couleur à son âme. Le soleil se couche sur ta misérable vie, Utide.
victoire revient aux fidèles. Misérable vie. Subis le jugement du soleil. La furie du soleil! Le soleil se couche! Je suis soldat depuis bien plus longtemps que ces vermines! Me sourit. Quel que soit l'accord que tu as passé avec lui, je t'offre le double. Plus que le double. Non. J'en ai assez, Bahamas. Les mensonges, la violence, tes huiles parfumées. Tu voudrais pas te suicider? J'étais obligé. Obligé!
Avec tous ces infirmes, les Karjas de l'ombre étaient condamnés. Ça ne résoudra rien. Mais que le soleil trouve parmi tes os de quoi le satisfaire. C'était un sacré spectacle. T'as pris ton temps ? J'avais affaire. D'après toi, qu'est-il arrivé au banni de Yun, notre groupe de mercenaires ? Et j'ai dû faire en sorte qu'un homme recherché puisse rejoindre Méridian. Laisse-nous une seconde, Utid. On parle entre filles. Tu as eu une sacrée journée. Je n'aurais jamais pensé que Bahavas tomberait dans son propre piège. Sa mort nous ouvre un nombre infini de possibilités. Tu te souviens d'Itamen et Nasadi, l'enfant roi et sa mère qui sont retenus en otage à Brunante ? Comme Bahavas est mort, plus personne ne les surveillera. Je veux les faire sortir. Seulement, j'aurais besoin de ton aide. Ce ne sera pas simple d'enlever le roi Soleil au Karja de l'Ombre. Ce n'est pas un enlèvement. Ils veulent se mettre en sûreté, à Méridian. Comment est-ce que tu le sais ? Je me fais passer pour une servante de Nasadi. Elle a peur. Pour elle, bien sûr, mais surtout pour Itamen. Que va devenir Utid, maintenant ? Ne t'en fais pas. Tu lui as offert une seconde vie, et je vais le mettre à l'œuvre. Il fera un excellent conseiller militaire à Méridian. J'espère qu'il pourra aider Avad à mettre fin au Karja de l'Ombre, en versant aussi peu de sang que possible. Qu'est-ce qui va se passer à Brunante avec la mort de Bahavas ? Oh, tu peux me croire, ce sera fascinant. Les prêtres vont paniquer, il y aura des affrontements, des manigances et des trahisons dans leur quête de pouvoir. L'avantage, c'est qu'ils seront distraits. Bahavas, ta vie a semé la désolation, mais ta mort est une fleur qui n'en finira pas d'éclore. Pourquoi tu t'intéresses à ce qui peut leur arriver ? Itamen est la figure de proue des Karjas de l'Ombre. S'ils s'enfuient, cela effacera tout ce qui reste de leur légitimité. Au-delà de ça, ce n'est qu'un petit garçon accroché à sa mère. Il m'a fait un petit brouteur en allumette une fois. Il était un peu raté, mais bon, personne ne m'avait jamais rien fabriqué. Qu'est-ce qu'il te faut pour sortir Nasadi et Itamen de Brunante ? Sans Bahavas, Brunante ne posera pas de problème. Je m'en chargerai. Le plus difficile sera de traverser la frontière de l'Hélium. Retrouve mon ami, Uadiv aux Trois Orteils, au rivage abrupt. J'ai engagé son équipe pour ouvrir la voie. Tout ce que tu auras à faire, c'est de m'attendre. Si ce Uadiv a déjà ouvert la voie, t'as besoin de moi pour quoi ? En cas d'urgence, petite chasseuse. Si ça tourne mal, si j'ai besoin d'une protection, sur qui je peux compter ? Toi ? J'essaierai de ne pas te décevoir. Lanora m'a dit que tu m'aiderais. Alors on part pour Méridian ? Seulement si tu veux y aller, mon chou. Ai-je vraiment le choix ? Absolument pas. J'essayais d'être poli. Qu'est-ce qui te fait croire qu'Ava... Je crois que je vais rester un peu avec Bahavas. La mort lui va bien mieux que ce satané tunique. Souviens-toi, retrouve Uadiv aux Trois Orteils au rivage abrupt. Ça te rend anxieux d'aller à Méridian ? Ça fait 20 ans que je suis soldat. Je ne suis jamais anxieux. Pas même devant une jolie femme ? Je refuse de répondre à ça.
garde ça pour plus tard. Une sorte de signal. J'ai réussi. Où est-ce que tu es, Utid? Je vais mettre ça de côté. Ça se gardera.
Je capte un signal d'alerte. Quelle aubaine! Le piratage fonctionne. Pratique.
Je vais faire profil bas.